Karl n'avait pas tiré tout ce qu'il pouvait de ce mécanicien. Thank you.
le manteau, par bonheur, protégerait Karl des dents glaciales. Le froid mordait à cet endroit plus qu'ailleurs. Il sciait l'os, s'infiltrait dans chaque respiration pour doucement éteindre le cœur. Il fallait que Karl soit chaudement vêtu pour espérer survivre. Les préceptes des scouts étaient loin dans l'esprit de Karl. Pour allumer un feu, il fallait quoi déjà? Le hasard laissait traîner de belles planches solides sur le sol. Encore une fois, la glace magique avait frappé. Que faisait-il, celui-là, ainsi terrorisé sur le sol? Le mystère s'épaississait comme la glace. Le froid envahit Karl. C'était comme s'il s'évanouissait. Il tomba dans une sorte de rêve. Il fuyait alors avec grand-peur une chose qui s'approchait, contre laquelle il ne pouvait rien, pour finir ainsi terrorisé et gelé. Thank you.
On dirait bien que Régent était prêt à prendre les armes et à pourfendre des gens comme Hamilton. Avait-il même commis un meurtre pour le compte de sa révolution? Qui donc avait été tué devant ses yeux? Carl se demandait s'il devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau. Le froid devenait douloureux. Carl devait se mettre au chaud.
Le manteau, par bonheur, protégerait Karl des dents glaciales. Le froid mordait à cet endroit plus qu'ailleurs. Il sciait l'os, s'infiltrait dans chaque respiration pour doucement éteindre le cœur. Il fallait que Karl soit chaudement vêtu pour espérer survivre. Encore une fois, la glace magique avait frappé. Que faisait-il, celui-là, ainsi terrorisé sur le sol? Le mystère s'épaississait comme la glace. Il fuyait alors avec grand-peur une chose qui s'approchait, contre laquelle il ne pouvait rien, pour finir ainsi terrorisé et gelé. On dirait bien que Régent était prêt à prendre les armes et à pourfendre des gens comme Hamilton. Avait-il même commis un meurtre pour le compte de sa révolution? Qui donc avait été tué devant ses yeux?
Avec ce froid, Carl sentait déjà plus ses orteils. La glace semblait pousser en ces lieux comme une pourriture. Ce mur n'était pas là tout à l'heure. Comment allait-il donc sortir? La glace, étrangement, ne sciait pas malgré le souffle brûlant de l'explosif. Quelque chose clochait vraiment dans ce pays. Carl se sentit tout à coup épié. Une présence autour de lui commençait à l'inquiéter. Carl était en train de crever. Il avait le goût de la mort à la bouche. Thank you.
Carl se sentait faiblir. Ses blessures étaient en train de l'achever. Il lui en restait plus pour longtemps. Aucune pierre ne résiste au souffle de la dynamite. Le magasin et ses alentours n'avaient pas livré tous leurs secrets, pressentait Carl. Il n'aimait pas passer à côté de quelque chose.
Thank you.